du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Dieu, notre Père, nous appelle à le magnifier, à le glorifier en tout temps et devant toutes les circonstances. Tournons-nous vers sa miséricorde au début de cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantez, dansez,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 10 et 11. Braillé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance. Il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. Parole du Seigneur. Méditons avec le psaume 32 et nous chanterons. Seigneur, ton amour soit sur nous comme
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux, tenant donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en tout temps voulu la grâce de son secours. Parole du de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Il leur dit, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondent, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui disait, nous le pouvons. Il répond, la coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, vous le savez? Ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître.
Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Dans la lecture du livre prophète Isaïe, dans le chapitre 53, il décrit pour nos serviteurs souffrants, la souffrance dans tout ça qu'il a accepté, il fait bon Dieu mettre la confiance, il baille la vie pour l'autre monde qui croit dans lui, capable de sauver et capable de joindre pardon pour pécher yo avec la vie comme innocent les justifier si là yo même qui pral adhérer à la foi et si là yo même qui pral gagner yon parfait attachement avec lui et si là yo yo même qui pral gagner yon foi ferme et inébranlable dans bon Dieu grand maître là. Prophète Isaïe décrit pour nous qualité messia qui gagne pour venir pour capable libérer l'humanité. Et c'est comme ça nous pourrons apprendre ça plus bien à travers l'évangile là. À travers l'évangile là côté préfiguration Jésus lui-même qui pourra le maître et seigneur et lui-même qui pourra le porter la victoire pour nous. Il y a un exemple à côté Jacques et Jean petit Zébédéo. Jacques et Jean petit Zébédéo version ça que nous tendez dans Saint-Marc là nous habitués tendez le tout dans l'évangile ca Saint-Matthieu mais dans Saint-Matthieu yo présenté nous maman Jacques et Jean petit Zébédéo qui a demandé Jésus faveur pour petit garçon lio. Mais cette fois-ci, dans l'évangile Saint-Marc là, nous voyons démarche la fête directement par Jacques et Jean. C'est eux-mêmes là qui approchaient bon côté Jésus et puis pour y demander lui en faveur. Et qui faveur au mandé Jésus? Il mandé Jésus pour deux frères ça yo, yon capable siéger à droite Jésus et l'autre là à gauche lui dans le royaume Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même, il t'a pas écouté messieurs et puis pour te répondre très bien. Pour te dire comme ça, au pape capable régner sans souffrance. Quand tu régner bon côté, mais ça qui attend moins. Moi gagné yon coupe yon verre pour moi boire et moi gagné yon baptême pour me plonger là-dedans. Est-ce que nous-mêmes n'a capable supporter bagaille ça? Yo répond Jésus, yo dit oui, n'a capable. Jésus lui-même qui connaît yo et lui connaît qui ça qui peut arriver. Il dit, yo, nous dit la vérité. Quant à pour nous souffrir, nous avons souffert pour nous. Et nous avons souffert pour l'évangile là tout. Et souffrance ça, nous pouvons le passer même gens avec moi tout.
parce que c'est à cause de l'évangile. Coupe ça que moi pral boire là dedans vers ça oui n'a boire là dans le tout. Baptême ça que moi pral plonger là dedans nous même tout n'a plonger là dedans. Mais quand tu as siégé à droite moi et à gauche moi ça li nommé mettre là. Bon Dieu. Là Jésus montre yo double dimension ça qui dans l'IA. Dimension divine et dimension humaine. Jésus montre yo humainement mission que lui-même lui vient accomplir sur face terre. Lui-même genre avec nous, il épouser toutes conditions la vie nous et c'est comme ça lui-même il doit passer par là. Et nous-mêmes tout n'a gagné pour nous passer par là. Mais faites attention côté li sou face terre. Li vient réaliser une mission. Mais la vérité pleine et entière li en seul côté dans mes hauteur la vie. Et c'est lui-même même qui préparer place pour monde qui a pas gauche qui a pas droite Jésus-Christ. Et Jésus là, lui montrer yo que mettre là lui-même, lui toujours en l'air, lui piro et c'est lui-même qui gagne tout pouvoir et c'est lui-même qui fait salver les gens le. Quant à lui-même, lui vient tourner yon serviteur dans mi-temps yo pour capable tracer chemin qui menait bon côté bon Dieu. Mais qu'on ça tout gagner yon jalousie qui fait dans mi-temps 10 l'autre messieurs yo qui étaient là. Yo commencé fâché contre Jacques et Jean. C'est comme si messieurs yo a dit comme ça, bon monsieur, nèg ça yo là ensemble avec nous et couler là mais yo besoin puis gros place passer nous. Réflexion ça yo c'est réflexion monde. Ça arrêté du côté de l'humain. Et dans chaque monde on a toujours est ça et comme ça et c'est comme ça c'est comme si yo prend bagaille là comme une course électorale a dit les arrivé côté Jésus lui-même il prend le siège mais c'est qui l'escape ministre là c'est qui l'escape ministre Jésus bien bon c'est comme ça yo même yo te prend Jésus lui-même il relé au kounia pour dire monsieur nous comment ça qui passé gardez bien chef nation païen yo si là yo qui a gouverné yo yo même yo commandé en maître et yo fait senti pouvoir yo yo fait senti toute autorité yo toute force yo. Mais parmi nous même bagay la va doué comme ça a dire si là qui vle pour vinn grand faut qu'il fait tout petit et puis faut qu'il capable servir l'autre yo faut capable servir l'autre yo seulement ak frère moi yo petit parenthèse ça Jésus lui-même li ouvert. Il dit si ou voulez gouverner ou voulez diriger faut qu'on mettez dans service l'autre yo. Mettez dans service l'autre yo. A nous garder bien dans une famille comment ça fait. Maman avec papa yo dans service petit yo. Mais c'est normal. Madame nan dans service Maril et Maria lui-même li nan service madame nan. Ou te besoin marié et bien mes foyer. Kounya ou nan service foyer ou. Est-ce qu'on capable quitter foyer ou dormi sans manger? Non, ou toujours tracassé ou pour capable porter satisfaction nan foyer ou. Seulement ak frère moi yo. Jésus prend image ça et c'est ça qui va caractériser chaque gouvernement dans chaque pays. Chaque gouvernement li nan service population là. L'a chercher ça qui bon pour population, ça qui bon pour nation que li a diriger. Mais quant à nous-mêmes peuple haïtien, nous pas gouverner comme ça. Gouvernement haïtien yo comment yo fait yo continuer avec esclavage là esclavage moderne
yo travay, yal serre l'ajan yo, kay met yo. Sa vle di, yo pap dirije yon nasyon, nasyon wan yo pa bal regle an yen pou yo. O di chef nasyon pa yen yo, yo komande an metre. Et c'est peut-être ça, yo besoin en pile sirène, en pile sécurité pour yo ka fè moun kouri, pour yo passer nan mitan moun parce que yo pa pran soin nation que yo doit diriger ya. Jésus lui-même li dit nous comme ça, li dit monsieur Palio, pa bon côté nous, ça lui-même li pa doit comme ça. Et nan pays nous yo tellement pas ban nous régler rien pour yo, les nous entrer dans bureau l'état, yo presque bousculer nous, y envie battre nous qui viennent chercher service côté nous ta doit joindre service. Konya la qui ça qui a passé? Est-ce que son nation qui a dirigé comme ça? Si son nation qui a dirigé comme ça, qui ça nous penser pour lui? Eh bien parmi nous nous même chrétiens yo li pa doué comme ça. Si ou vle diriger, faut capable mettre ou dans service l'autre yo. Seulement ak frère moi yo, moi ouvert ti parenthèse ça, c'est pour nous capable ouverger nous sur réalité la vie nous et sur réalité la vie l'autre nation. Et pays nous, ça fait li comme ça, parce que à l'époque post-coloniale, pas de yon idéologie qui était pour mener peuple ça dans yon stabilité. Chaque Haïtien gen yon pays de rechange. Yon tout gen côté pour yon aller. Ça veut dire, côté nous y a, li met effondré, li met crasé. Zafeli nou gen kote pou nou ale. Lot nasyon yo, yo va gen lot te, yo va gen lot kote pou y ale. Yo travay pou peyi yo bel, pou peyi yo bon, pou peyi yo prop. Et bien sûr, ak frè mwen yo, an nou gade nan la vi nou. An mande bon Dieu kan met la pardon pou chak fwa, nou pa pran soin sa nou genyen. Et nou menm ki vle gouverne, ki vle fè santi pou vwa nou, pou nou mete nou nan teni de serviteurs pour nous capables de servir pipiti yo. Ça m'a vraiment yo. On fait effort chaque jour dans la vie nous. On demande bon Dieu grand mettre là lui-même pour lui faire nous grâce pour nous à chercher ça qui est essentiel pour la vie nous, pour nous à chercher chaque jour dans la vie nous pour nous mettre nous dans service bon Dieu et dans service frère accès nous yo pour bien-être nous et pour bien-être l'autre yo. Amen. Croyance moi, confiance la vie moi, réglé sous parole, mon Dieu. Croyance moi, confiance la vie moi, réglé sous parole, mon Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu.
pour les dirigeants de l'Église universelle, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils se laissent gouverner par l'Esprit Saint pour le travail de l'évangélisation. Prions le Seigneur. Dirigeants du monde entier, spécialement ceux d'Haïti, qu'ils prennent conscience de la misère qui sévit dans notre pays en cherchant une solution durable pour la libération de notre peuple. Prions le Seigneur. Qui malade dans le corps et dans l'esprit. C'est pour bon Dieu, docteur par excellence, aider à jouer une guérison et soulagement. Grand-mère, où te voile. Communauté paroissiale, nous tous ici présents et ceux qui participent avec nous à travers les médias tels la RTA, afin que cette Eucharistie nous aide à témoigner de l'amour du Christ en nous faisant disponibles les uns pour les autres. Prions le Seigneur. Tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'étonnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous t'annonçons ta mort, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre enfin, spécialement sur ceux et celles qui fêtent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui, tout particulièrement Dr Patrick Légerme, qui célèbre son anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparée de toi. Amen. Thank you.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Chers et frères bien-aimés, bonsoir. Je dis merci à chacun et à chacune de vous pour votre participation à cette célébration eucharistique. Merci à notre frère, révérend Père Patrick Joseph, et du diocèse d'Ecaille. Nous disons merci aux membres du comité liturgique de la paroisse, lectrices et lecteurs à la chorale d'une façon toute spéciale, notre maestro. Et merci infiniment aux enfants de cœur. Et dimanche, aujourd'hui, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, baptisée Journée missionnaire mondiale. En semaine, il y a trois messes, 6h, 7h, midi. Chaque jour, nous sommes capables de participer dans trois messes, dans l'église, là, avec son radio, télé, Altagrasse. Nous sommes capables de recommander messes tout dans l'air où vous voulez, dans l'air où vous sentez qu'il y a bon pour la prière. Mercredi 23 octobre, à 4h30, clergé paroisse là, après rencontrer dans la salle paroissiale là, tout membre groupe, chorale, à comité pour sacrement confirmation. Rencontre ça important pour tout membre groupe qui vient pour recevoir sacrement confirmation. Tout le monde qui est dans le groupe, qui est dans la chorale, sous paroisse là, et qui n'a formation pour confirmation, c'est très important. Frère Axemio, pas oublier, gain adoration dans l'église là, chaque vendredi à 4h30. Avec groupe Les Adorateurs. Chaque vendredi, 4h30, un groupe adorateur a animé adoration. Samedi 26 octobre, journée de prière et de louange, messe à 6h, 7h et midi. Dimanche 27 octobre, 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B, messe à 6h, 8h, 10h et 4h. 8h, ce sera l'anniversaire du groupe MEJ. Et lundi 28 octobre, c'est la fête des Saint-Simon et Jude, apôtres. Notez bien, 1er novembre, solennité de tous les saints, messe 6h, 8h et midi. Vous êtes tous et toutes invités. Samedi 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts. Messe pour les morts. Nous-mêmes qui gagnons être chers, qui déjà prend devant nous, on nous prend un petit temps ça pour nous capables de la prier pour eux. Il y a une série de noms qui sont abandonnés. Fais-moi, nous fais l'esprit, nous travaillons. Il y a un monde qui te fait nous du bien dans la vie, nous,
qui n'a pas joint de monde pour recommander une messe pour eux, pour être capable de libérer, recommander une messe pour eux dans la période ça. Messe 6 heures, 7 heures et midi. Passer dans le bureau de l'église là, pour nous chanter la messe pour les parents des fins nous. Nous sommes capables de relayer tout dans le téléphone ça. 31 04 21 21. Je reprends pour nous. 31 04 21 21. Il y en a l'autre encore. C'est 40 57 18 18. 40 57 18 18. On est capable de recommander une messe. Ou bien au café on s'éteint sept messes, ou bien neuf messes, neuvaine. Jean au capable demander tout 30 messes. On doit choisir un mois qui va célébrer pour vous. Jean au capable, on a choisi. On fait trois messes d'action de grâce, ou bien sept, ou bien neuf, ou bien 30. Autant que au capable pour capable dire bon Dieu grand mettre la merci et comme ça. L'église a arrêté à cœur, il est ouvert pour les capables d'aider la prière. Sœur Mac Frémio, nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance ou de mariage. Ou nous souhaitons joyeux anniversaire à chaque monde qui a célébré un événement heureux dans la vie pendant un mois, ça, spécialement jeudi à même. Et nous avons demandé si il y a un monde qui a fêté dans l'assemblée, qui est capable d'avancer pour capable de recevoir bénédiction. Et n'a pas des chorales là pour les chanter pour nous. Je dis encore que moi content parce que moi rencontré avec ancien directeur de l'école moi maître Pira il est là ensemble avec moi bon il pas songer mon ça du tout monsieur Pira il pas songer du tout parce que c'était depuis dans l'année 96. Dans l'année 96, j'ai fait 9e année fondamentale dans le collège Oswald Durand. Moi, oui, visage là, moi, son joli. Maître Pépé était tout jeune. Félicitations et Kimbella. Chrétien, qui côté vous rencontrez? Kai grand maître là. Qui côté pour nous rencontrer encore? Moi-même, des élèves de l'école, même c'est chrétien. Lui-même, tout, lui, c'est chrétien. Et puis, mes côtés nous viennent rencontrer encore. C'est-à-dire, les participer dans la formation de prêtres et au par contre, combien ils ont formé. Écoutez, à ce moment-là, nous camper pour nous dire, bon Dieu,
Merci, Inette. Et puis pour nous recevoir bénédiction pour nous. Amis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et bonne semaine à vous toutes et à vous tous.